Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo portera sur comment identifier un mâle et une femelle Pogona viticeps. Donc, j'en ai un chez moi, c'est une femelle Pogona. Donc, elle est dans mon terrarium qui est là derrière. Donc, je vais la sortir et puis je vais vous montrer comment identifier un mâle et une femelle Pogona. Donc, je vais aller la sortir. Elle s'appelle Ambre, elle a 2 ans. Voilà, donc je répète pour ceux qui n'y auraient pas entendu, elle s'appelle Ambre, elle a 2 ans. Donc, je l'ai acheté en décembre 2013, ou si c'était janvier. Non, c'est décembre 2013 que je l'ai acheté, fin décembre 2013. Et donc, je l'ai depuis 2 ans maintenant. Donc, voilà. Toujours avant la manipulation, et ça, je le dirai à toutes mes vidéos où je vous montrerai mon lézard, toujours, mais alors toujours. Se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains. Donc c'est on va te balader toi. Donc le gel hydroalcoolique c'est ça hein. Donc on en trouve en pharmacie mais bon là vu que j'en ai plus vous pouvez aussi faire avec vous pouvez aussi faire ça avec du savon classique. Donc, Ambre, c'est une femelle. Donc, j'ai choisi une femelle déjà d'une parce que les femelles étaient plus belles que les mâles. Parce que les mâles, on les reconnaît généralement, ils sont tout gris, ils sont très très moches. Donc, du coup, je voulais quelque chose pour mon premier reptile qui ait beaucoup de couleurs, beaucoup de. Reste là, reste là. Je voulais quelque chose qui ait beaucoup de couleurs. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Bon, là, vu qu'on est dans un endroit un petit peu sombre, elle a tendance à prendre un peu de gris. Mais par exemple, dès qu'elle est à son point chaud qui est là, par exemple, à cet endroit-là dans son terrarium, elle est carrément tout orangée comme le dessus de sa tête. Donc, elle est carrément tout orangée. Donc, revenons à notre sujet. Donc, je vais la poser là. Ok, alors, je vais vous montrer. Donc, vous la tournez comme ça. Vous la mettez bien sur une surface plane. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis sur un bureau. Donc, là, je la mets bien en face de l'objectif. Donc, vous soulevez la queue comme ça. Et donc, les femelles, elles se reconnaissent parce qu'elles ont. Vous voyez le trait là qui est là, juste ici, à cet endroit-là. Au-dessus, je ne sais pas si vous verrez bien correctement sur la caméra, il y a une boule là, ici, là, à cet endroit-là. Ou sinon, il peut y avoir rien, et là, c'est une femelle aussi. Hein. Mais il y a deux types de femelles, c'est celles qui ont rien du tout, donc celles qui n'ont pas de boule. Celles qui n'ont pas de boule à cet endroit-là, ce sont des femelles aussi. Et celles qui ont des boules à cet endroit-là, c'est des femelles aussi. Hein. Il n'y a aucune différence entre les deux. Franchement, il n'y en a aucune. Et pour ce qui est des mâles, en fait, il y a deux à la place des boules. Là, il n'y a rien. Là, ici, il n'y a pas de boule ici pour les mâles. Donc, il y a juste deux grosses boules qui montent comme ça. Une de chaque côté, une là. Et une là, d'accord? Donc elle monte de chaque côté. Reste là. Et voilà. Donc alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un commentaire, à mettre un j'aime. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!